not be juju be that. You say they wise. Bonjour. Bonjour maman. Il va toujours soif. What? Photo. Mes enfants. Je t'en prie maman. De quoi? De rien comment? Attendez, je comprends pas. C'est quoi ça? Hein? Une femme sort de nulle part comme ça. Elle vient porter ton verre bois jusqu'à tu dis de rien. Mais chérie, elle a soif. Elle a soif et ça fait quoi? Petit. Ici. On est dans un restaurant. Même, pourquoi est-ce qu'on laisse les gens comme ça entrer ici? Aïe. Quand tu la vois là, elle te fait pas peur. Hein? Mais Laetitia, c'est une vieille dame. Où est le problème? Justement, c'est parce que c'est une vieille dame. Ça peut même être un avion de nuit qui est tombé quelque part là-bas. Et elle cherche où elle va déposer sa valise. Non, tu ne m'appelles pas. Eh oui. Vous tolérez quoi comme ça? Oh my God. Je peux manger. Oh, la femme pour vous, un handicap. Pardon de quoi? Tu es sûrement un avion de nuit. Hein, papa? Tu as atterri là-bas en plein jour. Et maintenant, tu viens ici pour déposer la marchandise sur les gens. Je ne peux même pas. Laetitia! Non, je ne peux pas me parler. Non, c'est même quel comportement ça? Oh my God! Je suis en recul. J'étais comme toi. Demain, tu seras comme moi. Dis ça! Qu'est-ce qui t'arrive? Bouge de là! Qu'est-ce qui t'arrive? Maman! Maman, lève-toi, maman! Maman, lève-toi! Pourquoi tu l'appelles maman? Ce n'est pas ta mère! Laetitia, c'est ma mère! Laetitia, c'est ma maman! C'est ma maman, Laetitia! Oh my God! Ça, c'était un test! Ok! C'était un test, c'était l'ultime test pour pouvoir te demander en mariage, Laetitia. Tu es peut-être belle, tu es peut-être intelligente et sexy, mais là c'était l'ultime test. Exemple. Je voulais tester ton côté altruiste, Laetitia, tu me déçois. Vous voulez me voir, Laetitia? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, tu métisses. Comment ça va? Mais on parle de test, elle te pousse. Oh, la femme. Mon fils, mais t'es bien dit. Maman, laisse. Les belles filles, les belles, belles jeunes, comme ça, que vivent une noix comme moi, ça dit non. Laetitia. Avec toutes les qualités que tu m'as montrées, c'est quoi ça? Tu ne connais pas l'altruisme? Le savoir-vivre, c'est une maman. Vas-y, sors! Sors! Tu n'as rien à m'expliquer, sors! C'est ma maman! Aïe! Tu n'as rien à m'expliquer, sors! J'ai dit sors, vas-y! Non, c'est toi! Non, maman, c'est quoi cette histoire? Laetitia, comme j'ai dit là, vas-y. Mon bébé, maman, merci. Je n'ai pas envie de sortir de mes gants, Laetitia. Non, je ne veux pas. Vas-y, sors. Tu ne peux pas maltraiter ma maman. Si tu maltraites ma maman, tu ne vas pas bien me traiter, non. Laetitia, sors. Sors. Je m'en vais. Il peut être là. Je sais que le dehors est gâté. Les avions de nuit sont remplis partout ici, dans le Cameroun. Hein, papa? J'avais peur. Si je me suis comportée comme ça, c'est. Je voulais nous protéger. Eh oui! Comme j'ai dit là, vas-y. Prends ton téléphone, tu pars. Vas-y. Mais c'est quoi cette histoire? Laetitia, vas-y. On parle. Ma belle fille, reste avant moi. Coucou. Laetitia, vas-y. Reste toi, pas mis maintenant, mon fils, c'est toi. Yes! Dieu, les familles. Leslie, c'est moi Laetitia, qui t'ai amené. Vas-y, Laetitia, vas-y. Ah. Moi qui t'ai amené, tu es mon ami. Hein? Normalement, tu dois me poursuivre comme je parle là. Laisse-moi consoler ma maman. Vas-y, mets-la dehors. Hein, papa? Laisse-moi consoler ma maman. Maman. Allez. Mauvaise amie. Attends, je lui mets bien. Dis ça. L'habit ne fait pas le moine, parce que quand on vous parle...